Yon l'autre fois, gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Pep, l'opichon en quoi, l'onange par remède. Sonnez l'ambi, roulez tambour. Pour nous demander justice pour président Jovenel. Nous demandons justice pour président Jovenel. Amway! Et Jovenel! Nous demandons justice pour président Jovenel. Oligarque corrompu, on mettait mercenaires politiciens qui ont folie pouvoir. Raminé. Maspiné. Assassiné. Jour qui était 7 juillet passé. Nous demandons autorité la justice. Nous. La police. Pour laguer pour des assassins tout plimaille. Peuple a doué pour nous. Tout le monde qui joue l'argent pour payer l'opération, tout le président. Nous avons la justice pour Jovenel. Nous avons la justice pour les Haïtiens. Peuple, levez en paix. Vous n'avez pas été édifié dans la poche. C'était un message collectif pour Jovenel jouer justice. Économiste Enomi Germain, même Jean ak divers l'autre économiste en dans pays, dit yo gen gros caisse sauté pour pays a pas connait. Yon l'autre soulèvement populaire, ça ta capable brûlé en français émeute de la faim, qui pi raide passé mois avril 2008 passé a, économiste l'a rappelé, il y a environ 4.4 millions haïtiens qui pourquoi lié là dans insécurité alimentaire, alors qu'il était 2.5 millions dans l'année 2008. Professeur dans l'université a précisé taux inflation arrivé jusqu'à 25.2% année ça même alors qu'il était 16.3% dans le mois avril 2008. Et nous avons demandé autorité dans l'état pour adopter disposition rapide qui fondait une façon pour pays à pas tomber dans une crise sans pareil. Face à climat insécurité généralisé qui gagne en d'un pays à côté gang exam à multiplier, les nationales cap défendent doit mon plaidé en faveur un soulèvement populaire pour résoudre problème insécurité. Problème ça qui paraît compliqué, c'est résultat faiblesse police nationale là qui pas gain moyen et équipement pour faire face carré à groupe nèg exam RNDDH qui non seulement dénoncé situation mais tout exposé ça relé complicité autorité dans l'état dans l'exam en d'un pays. Plus passé 30 agents de CPJ qui te payé à cause de recevoir gros menaces la mort et intimidation d'après révélation directeur exécutif RNDDH. Tout dossier sensible qui a rapport à Porsche PHTK classé sans suite dans le CPJ d'après Pierre Espérance. Militant droit Mounlan dit le regret PNH l'a pas épargné lui-même tout en bas phénomène insécurité qui gagne dans le pays. Pierre Espérance longe doit d'aller bien long sur ancien président Michel Joseph Martelly qui utilisait équipe qui sous pouvoir pour intimider agents de CPJ qui obligé quitter le pays. Commission mobilisation pour application à Montana en tête collée avec certains regroupements politiques avec société civile là et puis commission mobilisation plan entente nationale la peine annoncé un sitting pour mercredi 13 avril là devant local RNDDH là. Objectif là c'est pour témoigner solidarité avec directeur exécutif RNDDH qui a menacé la mort planée sous tête ligne responsable estricti ça yo critiquer individu mal intentionné menacer et puis intimider responsable organisation droit mouvement mandé tout secteur dans la vie nationale là pour faire solidarité à concerné qui travaille yo gain plus importance pour avancement société à chauffeur machine à motocyclette yo recommencé gain gros difficulté pour joindre gaz dans popio à travers capital là certains là obligé à porter plusieurs communes avant pour joindre petit gaz pour mettre la machine ou bien motocyclette yo. C'est là qui t'a fonctionné, ou pas de gain gazoline, citoyen, ça y qui t'a fâché en pile, dénoncé autorité ou dans l'État qui, d'après eux, pas jamais prend aucune mesure. Pour finir, à des affaires ratées, gaz marché, ça, chauffeur, ça y a lancé une mise en garde par les dirigeants, pour toute l'idée pour augmenter plus gaz là, sous marché. Gaz qui pas gagné dans le pompier pour occuper simple citoyen, dans la rue capitale là, qui dénonce irresponsabilité, incompétence, et incapacité autorité concernée, citoyen, ça y a profité dénoncer tout. Augmentation pour gaz pour panne qui passe span monte tête nègre sous ma chair. 10e anniversaire Académie Polista sous frais Pétionville. Occasion pour DGPNH la salle gros effort qui fait pour l'école Polista toujours qu'il y a des missions li gagné dans bail bon information à policiers. Sous bois par les ministres de justice la Berthoud Orsi déclaré doit gagner une nouvelle loi qui pour encadrer policiers si tout leurs victimes dans l'exercice fonction. Mais journal là en détail, économiste Enomi Germain. Même gens avec divers autres économistes dit qu'il y a un gros caisse sauté pour payer pas qu'on ait une émeute de la faim qui pire raide passé mois avril 2008 passé à
économiste l'a rappelé, il y a environ 4.4 millions haïtiens qui pourquoi il est là dans insécurité alimentaire alors que il était 2.5 millions dans l'année 2008, professeur dans l'université a précisé, taux inflation arrivé jusqu'à 25.2% à Nissa, alors qu'il était 16.3% dans le mois avril 2008, pour président firme pour Eco Haïti, situation ça c'est résultat d'une économie qui détériore chaque année qui passe. Et nous avons demandé aux autorités dans l'État pour adopter des dispositions rapides, puis concrètes, une façon pour le pays à ne pas tomber dans une crise sans pareil en suivant le compte rendu. Avril 2008, grand groupe Clorox, haïtien endiablé dans divers coins d'un pays, et spécialement dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Peuple souverain prend la rue, crasé, brisé, ça y oublié ou pas fait. Yon seul refrain, nous fout grand goût, nous pas capable encore. Avril 2022, soit 14 l'année après, situation a changé. Oui, il a changé. Les vins pi mal, les vins pi malouk, pi mandon men. C'est pas Enomi Germain qui pral dit nous, c'est pas vrai. Au contraire, si nous quoi économiste là, n'a parlé de grand goût pour que jamais gen grand goût dans le pays. C'est qu'on y a grand goût qui parle de grand goût acide batterie. Si nous pas japper, c'est parce que nous pas connons. En avril 2008, il y a environ 2,5 millions de monde qui étaient dans l'insécurité alimentaire en Haïti. Je dis, c'est autour de 4,3, 4,4. Ça veut dire, je dis encore, il y a plus de monde qui est dans une situation difficile. Je dis, moi, pense que c'est un véritable bombe social qui a éclaté n'importe qui. Le monde qui a gardé, si le monde qui a mangé, jeune femme qui a vendu un coyote pour emboîter, voisine qui a fait manger, qui mettait de l'eau en vent l'huile pour chaudier pas fébri, famille qui a fait collabo pour bouillir deux trois graines de paman, sans compter si la yo qui ouais figuion bon manger, chaque Saint-Sylvestre ou sinon chaque dimanche, pas de maladie, pas de la mort, mais cas grave. Ça que t'es poussé, moun yo prend la rue dans l'année 2008 là, pas un yen. Devant ça, n'a vive aujourd'hui, l'en attendait économiste Endomi Germain. Professeur université a expliqué, dans le mois avril 2008, prix produit et service, taux inflation. Inflation te atteint 16.3%. Pour avril 2022, inflation arrivait jusqu'à 25.2%. Diri, poids, l'huile, tout produit premier nécessité, tête nègre. Qui donc, c'est cognac tadoué genrel. L'inflation sur le oui, en avril 2008, c'était autour de 10%. Oui. Je dis, c'est plus passé 30%. Oui. C'est même situation hein. Pour l'huile, c'est même situation pour le poids sec. Même situation pour pratiquement tout produit. Autrement dit, je dis, situation plus difficile de loin que l'été en avril 2008, la population a été prête la rue, le grand goût. Situation grand goût, la misère Haïti a connu la yo, pas une fatalité ni un hasard. Selon Enomi Germain, ça n'a pas vivre là. C'est résultat d'une économie qui a dégringolé, une économie qui crase en miettes mousseau. Femme ak nèg qui passe dans tête l'état, ses pantalons seulement y a descend. Yo pas prend aucune disposition pour mettre l'économie pays à sous rail. Chita fait malfecteur, touye moun, vola, parle moun mal, fouye bouche dans sac pagaden, fait tripotaille, fait épave sur réseaux sociaux yo. Rien nous pas produit dans pays a. Nous pas fait rien tout pour nous voyer de yo. Soti dans sa n'ap mette dans bouche ak nan vent, tombe dans sa n'ap servi, c'est sous compte l'étranger nous y net. Présentateur émission Econo Plus l'a souligné, même inflation en nous prend nous rentrer dans le pays à clé. Ça qui veut dire, n'importe brigandaille, escombrique qui pétait dans l'international là, nous pas jamais suspendre victime conséquence. Exemple, la guerre entre pays, la Russie et pays Ukraine là. Si t'es Haïti seulement, nous t'as consommé produits faits en Haïti seulement, nous t'as une inflation pas supérieure à 20%. Mais inflation nous gagne là, est particulièrement provoquée par les produits importés. C'est-à-dire, inflation sur produits importés de loin puis haut. Inflation sur produits importés, je vous dis, c'est 34,2%. Alors que ce produit national, c'est environ 20%. Donc, où est-ce que ça veut dire? D'après chiffres qui disent, il y a 4,3 arrivé 4,4 millions haïtiens qui ont mal mangé dans le pays. Environ 1,3 million là-dedans ont mangé une fois par fois. Qui mange souple? Embarras et vent. Oui, coordonnateur national sécurité alimentaire, Armel Kazo, mettez deux mains en tête, relé en moué. Si pas rien qui fait pressé, café nous risquer couler avec bon jambard. D'après Enomi Germain, dans l'idée pour gérer l'urgence là, nous entendons tout coûte, mettez sous pied certains programmes sociaux sans démagogie, capable d'aider les gens qui sont pauvres. Mette qui choye nan poche ak nan assiette. Et bien dans tout pays, l'autre situation concerne, c'est des programmes sociaux qui capable permettre gouvernement transférer cash, notamment aux ménages les plus pauvres, les plus démunis qui mettent en place. Ces programmes ça va mettre en place. Et bien une fois tout, gouvernement yo comme et on va dire, et bâti des travaux de nettoyage, de canaux, de nettoyage de rue pour permettre des ménages venir comme. Gen gros brique ap kouri la, Ariel Henry ak équipe li ta sou route pour débloquer 3 milliards goud dans quatre batailles contre sa blanc français.
serre les insécurité alimentaire là dans le pays d'Haïti. Il y a des gars famicides qui n'ont pouvoir qui pas qu'à dormir depuis là au fin de temps de l'agence. Il y a niché point créé. Il y a tant pour venir fouiller zigno zagoyo dans l'agent qui t'a dû al soulager grand groupe peuple là. Faut diable peuple, chaud diable monter sous mon petit monde, descendre sous mon grand monde. Et nous Germain rappelé autorité pas bon ici pas gain bonne réputation dans gérer série l'agence ayo. L'agence ayo pas jamais rivé côté où t'es rivé. Économiste là qui souhaitait foi ça, n'yo pas bafler l'argent, rappelez tout, brigandaille qui t'a gagné dans transfert l'argent mon cachot qui t'a dû fait sous compte une quantité citoyen pendant période coronavirus là. Mais nous souhaitons que 3 milliards de ça véritablement la joindre les ménages les plus pauvres. Sinon, si bon groupe de monde dans pays qui prend comme là, finalement c'est pays qui a payé ça puisque nous sommes bien dit tout à l'heure, ou gagner une véritable bombe sociale qu'il faut désamorcer en quelque sorte. C'est certain, si programme social, yo, si assainissement, yo, si yo arrive à terre tout bon vrai, y a aidé malheureux malheureux, yo rale un bon soupi en bas grand bout acide batterie ça. Cependant, économiste Enomi Germain persiste quoi, si nous voulons résoudre problème insécurité alimentaire tout bon vrai, une fois pour toutes, c'est pour chef ici de suspendre raboté, rablabla, parler parole yo pas besoin, c'est pour yo poser bon gens action pour remembrer économie, hein, investir dans production nationale là. Comme ça, na suspendre te vote nous sous compte blanc et vert sous compte voisin face à climat insécurité généralisé qui gagne dans pays a côté gang exam a multiplié réseau national cap défendre droit moun yo plaider en faveur d'un soulèvement populaire pour résoudre problème insécurité a problème ça qui paraît compliqué c'est résultat faiblesse police nationale là qui pas gagne moyen avec équipement pour faire face carré à groupe nèg exam yo RNDDH qui non seulement dénoncer situation hein, mais tout exposer ça où les complicités et tout autorité ou plutôt dans l'état à gang examen dans le pays. C'est le régime PHTK qui gangsterise le pays. Gang nous gagne maître. Insécurité qu'on gagne la journée, son insécurité d'État. Et maître insécurité, c'est autorité étatique. C'est gros causé Pierre Espérance dit là. Gen moun qui t'a dit, si Pierre mérite un coup de cloche. Défenseur droit moun nan pa mettre de l'eau dans la bouche li pour répéter ça l'habitude dit. Gang nous gagne maître. Les longers doivent être toute longueur sous équipe qui n'a tête pouvoir exécutif là, d'après lui, t'as baillé bandit été. Dans le joint, t'es amio, t'es cartouche, lit. Régime tête calé troisième version, ou carré pochel, n'y pas fait un lien pour combattre grand goût, la misère, la vie chère et blackout. Mais personne n'y pas qu'à dire, n'y fait t'y messieurs corboyaux qui dégâchent facile souffre. Insécurité d'État, c'est ça puis espérance dénoncer. Li bay argument. C'est l'État même qui bay bandi aux armes avec munitions. Baba prend moyen, nous on dans week-end là et ça qui passé, tout le monde est ouais, jeudi dimanche 10 avril 2021, nous on ça qui passé dans plateau central, image des machines qui chargées avec marchandises et yo empêché agent douanier vérifier ça qui passé dans machine ça. Et machine ça pas pour l'autre monde, c'est pour gros chabouak non. PHTK de monde qui a alimenté insécurité en dans pays qui a baillé grandes armes avec munitions. Zamio pas sorti dans le ciel. Ni tout, c'est pas Tonton Noël qui marchait distribué dans le ghetto. Haïti pas fait zam. Bon samaritain qui décide de faire messe Osev, pas bayon ni sandales pour mettre en pied, ni quelques bon rad pour pas marcher sale. Bon samaritain sa yo, qui gen ken anme, qui remet moun, bon demande pour faire zèv. Yo la gen anme ti messe yo. Galil, Kalachnikov, ak plize 15 balles pour tirer les idées ou dire. Matériel fragile, ça yo, c'est dans douane nan yo passé. Directeur exécutif RNDDH là, met accent sur ça. Haïti pas fait zam avec munitions. La douane, je dis, ça a passé au niveau port avec frontière. Jean zam avec munitions à partir dans le pays qui a joué gang yo, c'est source insécurité qui gagne dans le pays. Et tout autant qu'on pas gagne autorité dans l'État qui campé de côté acteur dans la chaîne pénale là. La police là avec la justice, mais l'insécurité n'a pas jamais diminué en la pays. Malgré la police pas gagné assez matériel avec bon gens équipement pour mener opération garçon pas campé, mais dernière semaine ça yo, policiers yo fait quelques coups. Yo mette dormi nan jè quelques bandits, gen l'autre qui en bakon. Si nous croyons Pierre Espérance, bandits qui jouent arrestation yo, c'est visite d'or. Yo fè nan prison. Depuis c'est pour équipe bandit légal là, y a travail, libération plop plop. Nous reconnaît la police là, t'as capable résoudre problème insécurité à si bon volonté politique. Opération policière, oui, il y a quelques opérations qui fait, il y a quelques monde qui arrêté.
Mais moun sa ou les arrêté yo, la justice libéré yo, oui. Commissaire gouvernement, si petit commissaire gouvernement libéré yo, les moun sa ou, c'est des moun qui vient avec gang, qui proche pouvoir. Qui met les autobrés dans le pouvoir, moun pa ka passe matissant, sans yo pa croise à toucher dans mot. Qui met les yo, bandi fait d'appuyant chaque jour sous malérat malérez. Kidnapping tourne catastrophe naturelle. C'est un climat terre dans le tableau. La paresse blaye dans l'esprit moun qui pas dans gang. Pouvoir faire comme s'il pas comprendre. Plus gain sécurité, c'est plus y a passé plus temps sous pouvoir. Haïti gangsterisé jodi a et n'a fait face avec banalisation la vie moun. La vie moun pas aucune importance pour autorité ou dans l'état parce que yo compté sur gang yo et bandi yo pour capable des pouvoirs et tout le monde capable les autorités étatiques yo voyer l'argent by gang yo yo font petit camper sur l'insécurité et les yo veulent insécurité augmenter yo fait yo insécurité qui marchait à créer notre contrôle sans attendre kidnapping fait un petit baisser. RNDD a souligné même yo avec une équipe en place là pas manifester aucune volonté pour mettre gang yo dans rôle yo. Pierre Espérance pas envoyé roche caché mais d'après lui c'est peuple là qui pousse pour école. Nous pas quoi sorti à difficile non. Sorti à dans le peuple haïtien. C'est pour nous décider pas vivre à genoux pour nous décider nous de nous vivre à genoux ça veut dire nous pas monde. Des Français doivent nous reconnaître pas de faire omelette sans casser. Peuple souverain dans la rue pour freiner zak insécurité, c'est pas ni aux affaires bouquet flé, ni jetem, ni bib nommé. Quand même, a bien typique qu'on est, au soir, petite tête cassée. Solution, c'est population. On dit ça pour le faire. Pour le faire à pépier. A bien dommage collatéral, oui, c'est normal. Pour le faire à pépier. Pour marier bandit à cravate, bandit à costume et bandit à sapate pour être capable de libérer le pays. Il plus passé 30 agents DCPJ quittent le pays à cause de recevoir menace la mort. Avec intimidation d'après révélation directeur exécutif RNDDH là, tout dossier sensible qui a rapport à poche PHTK classé sans suite en dans direction centrale police judiciaire d'après Pierre Espérance, militant droit moulin dit il regrette PNH là pas épargné lui même tout en bas phénomène insécurité qui gagne dans le pays. Pierre Espérance longe doit judalis ou ancien président Michel Joseph Martelly qui d'après lui t'a utilisé équipe qui sous pouvoir pour intimider agent de CPJO qui obligé quitter pays à Lydie Alexandre. Phénomène insécurité ça qui a valé terrain en dans pays a depuis plusieurs années déjà forcé en pile monde pour quitter pays a pour échapper en bas assassinat et kidnapping. Yon phénomène qui pas épargné même force l'audio qui gagne pour mission protéger et servir population. Intimidation, pression la mort ou bien arrestation, menace pas de manquer sous dos agent de CPJO, s'il doit quoi directeur exécutif RNDDH là. Pierre Espérance fait qu'on est depuis 2020 pour arriver 2022, c'est pas deux gros agents de CPJ qui courent quitter pays en bas menace. Selon ça, militant doit mon n'a fait comprendre tout sortant de là, c'est bon Pierre enquêté ou qui sauve. Il y a des policiers qui t'avaient quitté sous dossier de l'homme pendant et de l'autre chef gang. Pendant policier dans des CPJ a mené enquête, il a monté dossier. Et puis, vous joignez un commissaire gouvernement, des autorités politiques qui ont convoqué les policiers dans le cadre de travail pour faire de la justice corrompue ou menacer intimider. Et ils ont arrivé à quitter le pays. Et qu'on a parlé tout sous plusieurs policiers dans le cadre d'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse par rapport à menace à intimidation qu'ils ont reçu, ils ont quitté le pays. Et nous dit, sorti 2020, pour rejoindre, je veux dire, qu'il passé 30 enquêteurs de CPJ qui quittent le pays par rapport avec la sécurité. Et des fois, les policiers vont retrouver dans la situation. Non seulement, on a par côté institution la police là, mais madame yo konn en difficulté avec timoun yo et que c'est kay moun yo pas chez dormi bon situation qu'a développé dans la police judiciaire depuis un bon temps depuis son enquête qui gagne implication de moun PHTK qui impliqué yo persécuter moun sa yo et la vie moun yo vin en danger yo quitté autorité étatique yo l'état pas protégé police contact matifé police menacé comme ça majorité enquête qui gagne pour avec un série gros dossier dans pays là classé dans tiroir en dedans de CPJ après poussière d'après responsable RNDDH là. Même pour ça qui concernait enquête sur assassinat ancien président Jovenel Moïse là, c'est 20% dans dossier seulement de CPJ t'est utilisé pour une enquête partielle s'il fait parole Pierre Espérance la confiance. À la tête RNDDH là critiqué autorité yo, lui dit qui pas protéger enquêteur de CPJ yo. Mais ce sorti bon côté bandi légal yo, bon côté équipe parrain là, bon monde qui a pouvoir là mais qui tout puissant, qui journée jodi a qui impliqué dans paquet massacre qui fait dans pays a, il retourne tout puissant.
yo arrogant parce que yo joine protection en bas pouvoir place ça. Qui est-ce qui parraine? De qui est-ce qu'on parle lundi par Joseph Michel Matéli. Parraine. Bon ça depuis quelque temps tourner seul refrain dans la République. Après des faits anciens sénateur Gabriel Fortuné t'a fait prononcer, tout le monde t'a posé cette question, qui est-ce parraine ça qui t'a maspiné, crabiné ancien président Jovenel Moïse. Pierre Espérance tourné à cause parraine ça encore. Pour loger droit de Jidali sous ancien président Michel Joseph Martelly, lui dit qu'a utilisé pouvoir en place là dans l'idée pour non seulement bloquer enquête sous l'mort ancien patron Agritranslan, mais tout menacer enquêteur yo qui obligé courir quitter pays. Pierre Espérance profiter rappeler Michel Martelly qui a en pile influence sous pouvoir en place là. Tout le monde connaît que Ariel a pour ton pouvoir Michel Martelly ouais c'est la douane qui a payé bandit aux armes avec munitions ça vient deux jours qui marche un jour qui marche qui était 10 avril 2022 tout le monde a prouvé sur l'image puis que un gros baron n'a pas acheté car qui est gros des conteneurs machines gros camion qui chargeait marchandises et parce que il y a un agent doit demander vérifier et policiers qui l'ont accompagné et bandit illégal ça a été les armes orientales. Donc, les armes avec munitions, il y a sorti dans le port, dans la frontière. Et c'est la douane qui facilite ça parce que Michel Martelly qui contrôle la douane. Et même gens qui contrôle on sait des ministères en d'un pays. Nous soulignons plusieurs enquêtes de CPJ passent pas en plein la nuit de la journée. Malgré toute enquête arrivée faite sur un pile dossier sensible, dossier ça y est souvent resté dans tiroir, aucune arrestation par jambe faite. Si là qui était en bas code même, si arrêté enquêté y arrêté, y a constaté y a flâné libre dans la République. Pendant temps ça, agent y a pas jambe suspend, recevoir gros menaces. Je voulais faire comprendre que Martelly a utilisé Ariel pour capable. Quand on va faire comprendre, moi connais société à connais, nous capable impunité à continuer à tailler mandat et soit Ariel quand il vient plus arrogant et monde qui est la massacre, je dis à eux, tout puissant. Malheureusement, il y a des gens qui ont réhabilité parce qu'ils sont confortables avec eux. Votre commission mobilisation pour application à Montana. Dans la tête collée avec certains regroupements politiques, avec société civile là, et puis commission mobilisation, plan entente nationale la peine annoncé un sit-in pour mercredi 13 avril là, devant local RNDDH là. Objectif, témoigner solidarité avec directeur exécutif RNDDH là, qui gagne menace la mort sous tête li, responsable strictis à critiquer, individu mal intentionné, cap menacé et puis intimidé, responsable organisation droit monde, il a demandé tout secteur dans la vie nationale là, pour faire solidarité à conseiller qui travaille yo gien pile importance pour avancement société à Marie Rosie Auguste du Sénat ak Yves André Joseph qui était dans micro Gerline Morista. Nous même en dedans fait modifier nous porter toute solidarité nous avec monsieur Pierre Espérance comme suivi un problème extraordinaire nous qu'a fait menace à eux ce sont des gens qui pour ta pénitence nationale chez nous qu'a persécuté un citoyen paisible qui tue pays Pierre Espérance pas gay bon Pierre Espérance c'est tout le monde lui supporter son monde qu'a fait travail peuple haïtien sans distinction Espérance sur le monde qui a fait travail. Yelda, dans la population haïtienne, quelle que soit la situation, femme ou garçon, ou en durée, nous même femmes, que ce soit ces viols, que ce soit ces vols, tout bagaille, nous recevons, Espérance toujours copier avec nous. C'est ça que je dis. Nous avons parlé avec conscience peuple haïtien. Je mercredi 13 avril, pour nous porter solidarité nous avec M. Pierre Espérance, nous aussi, nous avons organisé devant le local RNDDH. Vous n'allez pas porter solidarité nous avec M. Pierre Espérance parce que lui-même pour compte parle, s'il a travaillé pour nous, s'il vit dans nos situations, bagala du boulot, nous-mêmes nous devons camper pour lui. Quand vous comme nous dit, vous changez chemise pour le monde qui souhaite pour vous. Pierre Espérance souhaite pour nous-mêmes, peuple haïtien, nous supposons camper d'elle. Nous demandons à tous dirigeants politiques, à tous militants, à tous peuple haïtien pour le venir porter support avec Pierre Espérance pour balader dans la situation liée à pourquoi. Parce que depuis au monde, à petit de persécution, c'est que la foule travaille qui doit. De quoi foule travaille qui doit, vous connaissez mauvais la rôle, mauvais sentier, on va jamais oublier. Il est clair que mercredi 13, la première rue Rivière, devant RNDDH, Napton, tout camarade dans tout pays qui est capable de faire déplacement, vient supporter Pierre Espérance et le personnel du RNDDH. Parce que l'important aujourd'hui, pour ne pas quitter des malfrats qui t'a supposé en deux prison pour la justice, t'a questionné pour demander l'un des directeurs généraux du ministère de l'Intérieur qui s'en a pris de la tête, l'un des dossiers passeport, qui, que trafic de passeport, que t'as fait, qui s'en
spectacle passé dans la question ça. Je dis à nous, c'est même moun sa ou kabine fait moun la loi. Je dis à c'est moun sa ou kabine persécuté des moun qui goumè pour kembe un équilibre dans la société. Qui goumè pour pouvoir moun respecter. Nous, c'est type de moun sa ou kompèl pour venir intimider. Intimider citoyen paisible, citoyen sérieux qui veut faire un travail pour changement de société. Nous dit, ça va pas passer. Nous connaissons pile l'autre manœuvre, d'ailleurs, une manœuvre d'assassinat qui a joué pour éliminer Pierre Espérance et même personnel RNDDH. Nous dit, nous dénoncer et nous disons, peuple n'a pas dormi. Si on comprend le peuple haïtien n'a pas dormi, eh bien nous réveillons. Et c'est peut-être ça, nous dit le peuple haïtien. Moment conscience arrivé, moment mobilisation générale arrivé. Nous sommes peuples, nous trop passifs parfois devant des vagabonds qui mettent nous dans des conditions infernales de vie. Et je dis, nous avons responsabilité. Pour finir avec kidnapping, c'est mobiliser pour nous mobiliser. Pour finir avec insécurité, c'est mobiliser pour nous mobiliser. Pour nous retirer gang qui dans tête pays, dans la primature, qui ensemble avec mafia pareille, nous même peuple haïtien. Seul moyen nous était pour nous libérer le pays de gangs sales, de l'ensemble de mauvaises matières sales, c'est mobilisation générale. Et puis, pour libérer notre transition, coupé fâché, c'est seul peuple haïtien qui a fait. Et c'est ça que nous m'avons dit. Dans quatre pays, mobilisation pour déclencher et nous préparer des journées de mobilisation après période Pâques, après mobilisation, parce que je dis, peuple haïtien doit comprendre pour sortir dans la vie chère, pour sortir dans l'insécurité, pour sortir dans le kidnapping, pour sortir dans le gaz capoté. C'est mobilisation générale sans camper pour nous besoin de transition coupé pas cher. Local RNDDH là, eh bien, pour venir porter solidarité avec le directeur exécutif RNDDH là, Pierre Espérance, qui a gagné une grosse menace la mort sous tête. Ancien sénateur, Youri La Tortue, les mêmes tout est rendu visite avec Pierre Espérance, journée lundi, dirigeant AAA confirmé, nous avons menacé, plutôt pour assassiner Pierre Espérance. Fait partie régime tête caléa. Responsable haïtien action mettait accent sur l'importance du travail Pierre Espérance réalisé dans le secteur droit moun.